On est de retour sur Amnesia's Bunker. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas joué, donc je sais même plus où on s'est arrêté. Ah bah si, on était arrivé à l'arsenal, on avait eu le code qu'on a récupéré sur la radio qui nous a permis de rentrer dans l'arsenal. On a les outils, et donc la pince et le petit bip-bip là... La clé là pour les grilles, et il nous reste plus qu'à explorer donc l'arsenal, trouver la dynamite et trouver le détonateur pour pouvoir nous enfuir. Ce ne va pas être une mince affaire. Et le monstre avait l'air vachement plus pète bonbon dans l'arsenal, alors je sais pas si c'est moi ou si ça a été programmé. Norbert, le monstre qui est un peu trop teuteux. Ah, Norbert, c'est bien. C'est vrai qu'au final, on lui a même pas donné de nom. J'aime bien Norbert. Norbert le teuteux. Genre teuteux, ça me fait tellement rire. Comme expression, je sais pas pourquoi, mais... Faut tout faire péter. Alors... Est-ce que je me rappelle comment on joue, hein. Oula. Ah oui, je m'étais bloqué dans un tiroir aussi la dernière fois. C'était rigolo, ça. D'ailleurs, on va les fermer, parce que... Voilà. Alors... Alors j'ai le masque, mais en vrai il me prend de la place. Ah mais j'ai plus de place. J'ai le briquet. Après il n'y a pas... Ah si, il y avait des rats à l'arsenal. Peut-être mieux que j'aille le briquet. Ah, j'ai trop de trucs dans l'inventaire, ça m'embête. Déjà l'arsenal c'était où? Arsenal. Regardez, j'ai plus que ça comme objectif. Arsenal est sorti. Bon, on va déjà retourner dans l'arsenal parce que je vous avouerai que je me souviens pas de tout. Pouah ! Vache ! Voyons que c'était un chargement compliqué. Alors, voilà, là il y a un piège. Attends, c'est pas le monstre qui fait ce bruit quand même. Genre. En fait, il ramène sa fraise direct quoi. Là, il y avait rien. Non. Alors. Ça, c'est fermé, il y a la map et tout. Déjà, faudrait que j'ouvre ça dans un premier temps. Mais il a l'air méga vénère quoi. Je crois qu'on était allé par là la dernière fois. Vous trouvez un caillou. Un gros caillou. Je crois que j'avais rien trouvé en plus. En tout cas, il y a plein d'essence ici. J'aimerais bien un truc pour casser. Fuck! En plus, je me suis fait mal quoi. Ah bah ça commence bien. Et puis j'ai pas de soin en plus. Oh purée, puis il est là. Non mais attendez. Je suis parti. Oh, je me suis blessé bêtement et tout là. C'est bon. On recommence, il s'est rien passé. Ouais, il y a masse piège, ouais, faut pas que j'oublie. Ouais. Attends, je vais peut-être prendre un soin quand même en vrai. Parce que... Ah mais j'ai trop de... Vas-y, je pose le masque. Est-ce qu'on va se retaper le chargement de l'enfer? Eh ben. Voilà. Il faut que je trouve... un truc. Y'a rien. Y'a rien sur l'étagère. J'entends le monstre, il a l'air vénère. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Ah, et puis là, il y a des pièges partout. Ah, ça, c'est pas un truc que je peux lancer, non? Il faut que je casse cette porte, il y a la map et tout. Ça serait bien de commencer par ça. Il est excité, hein. Et j'ai un bâton. S'il y a des rats. Ah, est-ce que ça... Non, mais c'est trop lourd, ça.
C'est trop lourd. Oh, et la dynamite est juste là. Il est en train de me stresser. Alors le code de Arsenal c'est 64-99. Donc ça on l'avait fait hein. Après on avait commencé à se balader et après j'étais morte et on avait arrêté là je crois. Voilà. Ah je sais pas mais il s'amuse bien. Et vas-y, y a rien pour péter la porte. Ça manque de blocs pour péter les portes. Ah, il y a une médaille là. Courcy. Eh ben il a rien du tout. Merci Courcy. Hein. Je crois que j'avais déjà fait la blague du raccourci, donc je vais éviter de la refaire. Encore un bâton. J'en ai déjà un. Alors attention au piège. J'allais la faire. Non, on avait fait la dernière fois aussi. Alors ouais, la dernière fois, juste avant que je meure, on avait voulu expérimenter de mettre un tonneau devant... Attends, mais je peux passer là. Devant, devant le trou du monstre. Ah, c'est ouvert là. Je pense pas que je puisse péter la porte avec ça. Hein. Oh, du sweet. Mais j'en ai déjà, donc je vais le laisser là. Je trouve vachement plus vénère dans cette zone. Et là, il y a une grenade. En vrai, on va peut-être la prendre. Là, je peux pas passer. Ah, si je pousse ça. Ah, ouais, il y avait les rats là. Ah, ouais, mais du coup, j'aurais dû prendre des bandages. Ils vont me casser les pieds. Parce qu'on m'a donné des bâtons, mais on m'a pas donné de bandage. Enfin, j'ai pas de chiffon pour un chiffon, quoi. Et j'ai toujours rien pour casser la porte. C'est chiant. Est-ce que je peux pousser ça? Vas-y, je suis super loin! Faut vraiment que je fasse demi-tour pour aller... Ah non, non, non. Merci. Hop. Yes. Oh oui. Allez, 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 on dégage. Bon, on dégage. En plus, il y a une petite médaille. J'y travaille. Yes. Je veux bien... Range la torche. Casse-toi, toi! Je sais pas comment je la range, la torche. Mais non, mais. Une fois, j'avais réussi à la ranger, non? Voilà. Je remets la torche enflammée dans ma poche, quoi. Ça a aucun sens. Putain, mais il est déjà retourné sur son cadavre. On va prendre du. Putain, mais. Ils sont relous! Mais. Alors, il y a un chemin là. Là, de souvenir, je crois qu'il n'y avait rien. Cette fois, le monstre n'est pas arrivé. C'est Koussi Koussa 12. Pas mal, pas mal. Je devais être morte par là, je crois, non? Oh, il y a un truc là. Ah, il y a de l'essence, il y a des grenades. Ok, ok, ok. J'ai ce qu'il faut pour le moment, je vais pas blinder mon inventaire. De toute façon, j'ai des balles au moins ou... Ah, ah, si, attends, attends, attends. 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 J'ai deux balles. Mais du coup, j'en ai même trois en fait. Toutes ces balles. Alors, encore une fois, le perso pourrait vraiment passer ici. Hein. Faut pas abuser quand même. Ah, et si j'essayais de mettre le tonneau? Mais ça fait du bruit, non? J'ai envie d'aller le mettre devant ce trou là-bas. Ah,
Ou genre c'était prévu ou quoi? Ah, y'a un autre trou là, quoi. Attendez. On expérimente des trucs. C'est pas bon, ça. Merde, il est juste là. On va peut-être éviter de faire du bruit. C'est... Ah oui, il est vraiment juste là. Je vois rien, faut que j'allume ma lampe. Putain, mais il est juste là, quoi. Je vois que dalle. Il va y avoir un piège en plein milieu. Je vois rien. Il y a des planches à enlever. Ok. Attention. Partout. Quoi cette zone quoi. Ah mais c'est tout, ça me fait peur. Fuck. Je vais exploser au tonneau à la gueule, hein. C'est un tonneau explosif. Ah je vois plus rien. Il est juste là. Norbert ? Je crois qu'il est parti. Attends, mais je suis censé passer où par contre, moi ? Je peux pas sauter là ? Non ? Mais vous êtes sûr que je peux pas passer là-dedans? Ça m'étonne en vrai. C'est, je trouve ça vraiment bizarre. Non, ça a pas l'air. Hein. Ah, c'est un peu bête quand même. Je vais où alors? Là? Ah, faudrait que je monte là. Attendez. Nono pour les intimes. Si je monte sur ce tonneau. Oh, je me sens tellement en sécurité ici. Et son progresse doucement mais sûrement. Merde. Bébert. Nono ou bébert? Partir. Bon. S'il y a un piège là, que je passe dedans, c'est la merde. Allez! J'ai plus de place. Pardon. J'ai plus de place dans l'inventaire. Attends, on va jeter un truc, hein. Alléluia. 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 Oh. J'aurais bien ramené du carburant. Je sais pas s'il m'en reste là-bas, mais... Que puis-je poser? Parce que le soin, vaut mieux que je le garde sur moi. Grenade aussi. La torche, ça dépend si je repasse devant les rats ou pas, en fait. Oh, tant pis. Pire, je reviendrai ici plus tard.
Alors par contre, je suis obligé de refaire tout le tour pour sortir. Genre, really? C'est ça que je peux ouvrir. Y'a rien, super. Un petit soin, ouais, ah ouais, 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 je suis obligé de refaire tout le tour. Oh là 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 là, c'est l'ego. C'est pas sympa. Ah, là, il y a une porte à péter aussi. Ou c'est ouvert? Non, il faut la péter. Mais je la pète avec quoi? Vous êtes trop drôle. Il y a de la viande pour rat, il y a du carburant. Bon, attendez, je vais revenir avec la dynamite déjà. Et à la limite, je reviens ici. Après. Par contre, le détonateur, je sais pas où il est. Pas trop de bruit. Attention au piège. C'est déjà plus où ils sont. Je vais m'en prendre, hein, je le sens bien. Il est vénère de ouf, hein. N'oublie pas qu'on a trouvé un code. Ouais, mais dans les casiers, généralement, c'est surtout des petits trucs... Ouais, bon, les rats, va falloir que je les... Hey, casse-toi. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Hop, hop, hop. Allez, barre-toi. Ça, ça a énervé le monstre. Merde, où suis-je? Et en plus, il s'est même pas barré, ce rat. Ok, ça se passe bien, ça se passe bien. Donc, le trajet que je vais devoir me retaper, c'est tombé. Où est-ce qu'il y avait du carburant? J'en voyais partout tout à l'heure, et là, j'en vois plus nulle part. Mais si, j'ai fait une place. Ah bah, jette là la torche, de toute façon elle est vide. Voilà. Mais non. Mais non. Toi jeté, voilà. Tac. Tout doucement. Si ça c'est pas le GG, ou putain le piège. On a toujours pas ouvert cette porte, hein. En vrai, un coup de flingue, ça les ouvre pas. Ou alors à la grenade, mais ça fait chier d'utiliser une grenade pour ça, non? Hop, 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 hop. J'ai la dynamite. Tadali, tatatatitata. Je sais plus où est la sauvegarde. Si, c'est là. Ouais. Alors. J'ai plus de place. Déjà. Carburant, en vrai, je peux peut-être aller déjà le mettre. On va poser ça pour le moment. Carburant, il en est où? Ça m'a, il fait le signe de Joule. Oula. Oula, bah carburant, il y en avait plus. Hein. Ouais, j'en ramène un peu. Je crois que j'en avais un deuxième. Ouais, j'en ai pas d'autres, il faut que j'aille en récupérer là-bas. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je vide un peu mon inventaire. Je sais pas si j'ai encore besoin des outils ou pas. Du coup, j'ose pas les poser. Les bouteilles te servent à quoi? Bah, à distraire le monstre. Mais après, je crois que je peux faire des... tu sais, des... Je sais plus comment ça s'appelle. Merde. Oh là là, aidez-moi. Voilà, voyez. Des cocktails Molotov, voilà, exactement. Je vais poser ça. Il me semble que je peux en faire avec. Maintenant que j'ai le briquet. Mais j'oublie à chaque fois d'en faire. Je vais me garder quand même du soin sur moi. La grenade, je pense qu'on va l'utiliser sur la porte. On va voir si ça marche.
On va faire ça. Bref. Je fais un aller-retour rapide à l'arsenal, j'essaie de récupérer un maximum de trucs. Ah, il était juste là! Oh bah tue-moi, j'ai eu la flemme de me soigner. Bah, je suis juste devant toi, tu fais quoi? Ah. Bisous le pain! Et oui, non mais voilà, je cours dans tous les sens comme une débile, bah... Forcément. Forcément. Si les objets restent à l'endroit où tu les lâches, entre chaque safe, tu peux tout ramener dans la salle safe. Oui. Mais bon, ça me force quand même à faire des allers-retours. Alors, en vrai, vous avez raison, les outils, je vais les poser. Je vais les poser. Puis je reviendrai, de toute façon. Ah, je peux pas les poser. Lol. On peut pas les poser. Genre ça, c'est les 4 objets que je ne peux pas poser. D'accord. Bon, bah, je vais juste poser le bandage. Hein. Fuck. Et du coup, je suis avec mon outil à la main. On va éviter de courir. Cette fois. Je sais pas où il était tout à l'heure, mais... Mais quoi? Mais non, mais pas deux fois. Mais j'ai pas fait de bruit. Hop. Non. C'est un non, monsieur. Oh, mais zut, alors. Fais chier. Putain, mais du coup, je suis obligé de me soigner et tout. Mis sous le bain avec le bruitage du monstre qui dévore. Je vais pas me laisser passer, quoi. Il est où, là? Non, mais là, si je me fais encore choper, il y a JPP, hein. Je vais me coller au mur. Hein, c'est bon? C'est bon. Eh ben. Après, j'ai une zone encore dans l'arsenal à... On va essayer de faire péter la porte. Cette zone-là, il faut qu'on y retourne. Regardez, hop, carburant. Carburant. Grenade. Attention. Bon, c'est un peu du gâchis, mais c'est pas grave. On va se barrer. Genre là, le monstre il a pas entendu quoi. Non mais genre. Ah si 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 si. Si si, il a entendu, il a entendu. C'est vrai que je peux faire ça, j'avais oublié. Je vois rien du tout. Vous voyez quelque chose vous? Moi je vois rien. Ok, pas là, hein. Ah, si, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. On voit rien avec le brouillard, là. Merde, il m'a vu. Pas la peine de te baisser. Ouais, il m'a vu. Il m'a vu, je confirme, il m'a vu. Ah, c'est pas là! Oh putain, la panique! Ferme la porte! Bon, moi j'ai ramené du carburant. Je vais le remplir. Direct. Voilà. Ça, il est full rempli. Moi, ça me libère de la place. J'espère que ça a ouvert la porte, au moins que j'ai pas sacrifié ma grenade pour rien. Oui, il vient. Vous venez, monsieur, ou pas? Est-ce que je dois vous faire couler un café? Ouais, il vient. Fuck. Non, il est juste là. Il a un coup de stress. Il est arrivé beaucoup plus vite que prévu.
faire ça. Il a fait le tour. Il a fait le tour. Il a pris l'autre pente pour venir me dégommer. Attends, bon, on va la fermer. Elle est condamnée, cette porte. Hein. C'est fini. Hein. Oh, je suis choquée, quoi. Le monstre, il est intelligent. Eh bien, il y a un trou. Il peut venir ici aussi. Non ? Alors, c'est quoi, ça ? Il y a un petit CD, là. Toi qui dis alerte, qui t'as jamais attaqué dans un safe room. Mais oui, jusqu'à maintenant. En fait, il me suivait pas jusque là aussi. La pub, oh non. Il est encore là ou pas? Non, c'est bon. Que je pense qu'il a fait le tour, quoi. Horrible. Attention, on va se coller au mur au cas où. C'est bon. Bon, dites-moi que ça m'a ouvert ma porte au moins. J'ai pas tout fait ça pour rien. Ouais, ça a ouvert la porte. Alors. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une bouteille qui flotte en l'air. Oh, je gagne un emplacement, ça c'est cool. Ah, cette sous-carte a été ajoutée à la carte principale dans le bureau d'administration. Zone de stockage C, c'est où ça déjà? Vers les tunnels. Ah, il y a un passage secret. Dans la zone de stockage C. Attends, c'est où la zone de stockage C? C'est vers les tunnels? Oui, c'est vers les tunnels, je pense, non? Attends, mais j'ai tellement du mal à me repérer sur une map. Mais oui, ça doit être ça, hein. Parce que là au-dessus, c'est là d'où je viens. J'entends le monstre, je crois. Et à droite. Et à droite, c'est bah, là où je suis allé tout à l'heure. Oui, ça doit être ça. Oh, il y a une photo. Ouh. Je peux couper les pièges avec la pince. Oh mon Dieu. On découvre un truc là. Attendez, je vais essayer ça de suite. T'as vu, j'apprends ça à la fin du jeu, moi. Super. Oh là là. Et du coup, je sais... ah, je peux récupérer la torche de détresse. Oh, j'en sers jamais les torches de détresse, mais. Et alors, il faudrait qu'on aille par là. Je vais juste. Oh, mais je vais tous les couper, hein. Ça évitera que je fasse des catastrophes. Ah, petite grenade à gaz. Après, à gaz, ouais, mais ça veut dire qu'il faut que j'ai le masque et tout. En vrai, chiant. Juste récupérer un peu de carburant. J'ai vu des grenades qui traînaient aussi. J'aimerais bien les récupérer. Et on a un casier à l'ouvrir. Faut pas que j'oublie aussi. Il y avait rien ici. Non. Plus loin. Alors, le bâton. Ah mais non, c'est la torche. Oui mais non, mais non. Je vais utiliser. On s'en fiche. Oh, je vais couper tous les pièges. Oh oui. Oh, c'est satisfaisant. Oh. Oh, pourquoi je découvre que maintenant? Petit bandage, je prends. Ah, mieux vaut tard que jamais, oui, c'est sûr. Oula, oula, oula. Y'a pas des trucs ici, hein? Vas-y, ils sont où les trucs que j'ai loupés tout à l'heure? Et ouais, ils mettent bien vers la fin, ouais. Ah putain, j'ai pas de truc pour passer devant les rats. Zut. Mais j'ai... Il y a tout à l'heure, il y avait masse plein d'autres trucs à récupérer, là. Faites chier, les rats. Putain, puis ça tient le monstre. Je sais pas où il est, je sais pas où il est. Dans la salle de la dynamite, ouais ouais, il y avait des trucs, mais là il me faut, il me faut la torche pour passer devant les rats.
Faut voir que je revienne. Il me semblait qu'ici j'avais laissé des trucs, non? Il y avait que le soin que j'avais laissé? Ah bah, il y a peut-être que le soin. Ah, il y a un bâton. Bah, je vais prendre le bâton. Je sais même pas s'il me reste du tissu en plus. J'allais dire à la maison. Reste du tissu à la maison, je sais plus. Oh là, mais fait chier que j'ai pas pu ouvrir un genre un raccourci. Là, il y avait rien d'autre. Oh tiens, du tissu. Ah bah tiens, je vais pouvoir passer devant les rats. On va demi-tour. Oui, j'en avais laissé un, oui. C'est bon, j'en ai retrouvé un. J'ai pas le briquet. Si j'ai la flemme, je sens que je vais mourir. Non mais c'est une mauvaise idée, je n'ai pas où me planquer. Oh mais vas-y. Quand est-ce que j'ai posé le briquet? Je m'en souviens pas. Merde. Je sais pas où il est. Oh comment c'est relou. Quand on t'a dit de tout laisser. Ah oui, c'est peut-être pour ça du coup. Ah voilà, c'est votre faute. Oh là là, les allers-retours là. Oh, le briquet, il est là, le briquet. Bon allez, on est reparti. Et je cours. Putain, il est juste là. Je me raccroche à la vie. Au moins, il n'y a plus les pièges. Ça, c'est bien cool. Bon, on va finir par y arriver. Tout ça pour aller récupérer des ressources. Hein. Merde, mais je voulais pas que tu appelles. Ah là là là. Je voulais pas l'allumer maintenant. Putain, faut que je me dépêche. Du coup, elle dure pas longtemps la torche. N'importe quoi. Allez, je suis trop gros. Et pchit, pchit, pchit. Allez, pap, 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 pap. Plus que ça. On fait l'indienne, allez. Barrez-vous. Barre-toi. Il me semble qu'il y avait rien de souvenir là où ils sont. Attends. Faut que je rentre la torche. Alors, ici il y avait des trucs, ouais. Grenade, tac. Ça je prends. Alors, faut que je fasse attention parce qu'il y a des pièges ici. S'il y avait des trucs ou pas. Putain, il y a un rat. Vas-y, va là. Pourquoi il va dans le mur? Tant de questions. Pas de piège là. Je vois rien. Il y a des rats. Vas-y, j'y vais pas, il y a des rats. Oh, il y a un truc pour casser une porte ici. Je l'ai vu. Turlututu. On va tout de suite couper ce piège là. Donc je me le prenne dans la chaudron. Paf. Voilà. Il y en a un là-bas, mais je le vois plus maintenant parce que je suis dans le noir. Il est où? Là. Paf, voilà. Comme ça au moins.
Et ça, je l'emmène avec moi parce que j'en aurai besoin. C'est lourd. Mais attends, est-ce que je vais pouvoir sauter avec? Parce que c'est quand même super lourd. Ah, je peux le poser là. Tac. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ok, alors ici, il y avait quoi? Ah bah le bandage, je l'ai ramassé. Je l'avais laissé. Ah mais il y en a un autre là. Et j'ai déjà plus de place. Ouais mais ça on s'a dit qu'on s'en foutait. Prends ça plutôt. J'aimerais bien péter cette porte, sauf que le monstre va réappliquer en 3 secondes. Ah mais il y avait pas une porte ici? Je pensais qu'il y avait une porte. Mais il y avait pas de porte, mais je raconte n'importe quoi. Où est-ce que je pensais qu'il y avait une porte? Bon bah c'est tout, il y avait que ça. Ah mais si, elle est là la porte. On va y arriver. Alors attendez, je vais faire un truc. J'ai pas de grenade. Bon bah le flingue. Parce que je vais faire du bruit là. Oh, il a l'air d'être juste à côté en plus, trop bien. Juste là, il sort. Est-ce qu'il va venir? T'es pas obligé, hein. T'es vraiment pas obligé. Je vois rien. Oui, juste derrière moi, je l'entends. Ouh, je vois que dalle. Oh, je vois rien. Il me reste des balles. Putain, mais il me fuit à travers la porte, quoi. C'est n'importe quoi. Mais je sais pas. Genre, il a une vision à rayon X. On va attendre un peu. Hein, je suis obligé. Hein. Je crois qu'il est retourné dans les tunnels. Mais je vais attendre encore un tout petit peu. Au cas où. Tu tiens un coup boulon d'une main et par télékinésie, tu soulèves une brique. T'as vu? Normalement il est plus là je pense. En plus c'est horrible parce qu'on voit que dalle. Je suis obligé de m'enfuir dans le noir total. Trop bien. Il doit pas être loin quand même hein. Putain, il a pété ma caisse. La porte là. Alors il y a quoi ici? Carburant, j'ai plus de place. Fuck. Tissu. Ah, des balles, ça je veux. Trousse de soins. Et bah c'est tout quoi. Il y a de la viande mais je m'en fous. Je suis obligé de jeter un truc. Et ben je vais jeter le tissu. À choisir. Non! Oh putain! Oups! Allez, bon. Au moins. Putain,
Putain, je suis coincé dans le... Mais... Au moins j'ai du carburant. Je fais demi-tour. Je retourne poser tout ça. Regardez comme genre je vois rien quoi, quand tu es obligé de t'enfuir, c'est horrible. Ensuite, bon, je vais laisser quelques ressources ici, mais c'est pas les plus importantes, c'est pas grave. Par contre, j'ai plus de grenades, ça m'embête. Et j'ai récupéré des balles. Donc j'ai bien fait de péter cette porte en vrai. On va ressortir la torche. Oh, les rats sont pas là! Cool! Chance me sourit. Et ensuite, il faudra aller bah, dans la zone d'eau, je pense, là. Oula. Je cours pas trop. Pouit. Et les casiers. Ah oui, les casiers, faut pas que j'oublie. Et après, on ira là. On court maintenant! La sauvegarde! Attendez, je vais juste pas courir le temps de passer devant le trou au cas où. Est-ce que là au mur? C'est bon! Oh oui. Sauvegarde salutaire. Salutaire! Ça va et toi? Qu'est-ce que je raconte? Oh là là, mais. Le temps que je fasse tout ça, j'ai épuisé tout mon carburant, quoi. Ça me rend folle, le néon. Coucou, Yatan. Est-ce que t'as vu quand le monstre est... Quand je me suis enfermé dans la safe zone et que le monstre est revenu et qu'il a fait le tour et qu'il a ouvert l'autre porte? C'était super chiant. Ok. Sauvegarde. Pouf. Casier. Casier, par contre c'est où les casiers? Je crois que c'est sur le chemin là. C'est pas par là hein. Je vois rien. Oh là, il est juste là quoi. Non c'est pas là. Mais moi je le trouve bien excité quand même hein. Genre plus que d'habitude. Norbert ça suffit. Et il me reste plus beaucoup de casiers à ouvrir hein. Alors, 96-44, j'ai pas regardé le nom. Traverse. 96-44, c'est là. Oh, il y a des grenades, trop bien. 96. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des zooms bizarres. Ouf, oh, deux grenades, c'est Noël. Et en plus, j'ai des balles. Si ça, c'est pas magnifique. Regardez toutes les balles que j'ai. Non mais regardez s'il vous plaît, il m'en reste deux. Ah j'en ai ramassé qu'une. Je pensais qu'il y en avait plus. Bon, et quand même, j'ai trois balles. En vrai, c'est plutôt cool. Alors, putain il est juste là. Bon, vu que je suis ici, hein, on va pas se priver. Hop là. Voilà, c'est parti. Putain il est juste là, Il va t'attendre sagement dans la safe zone. Ça serait diabolique. Ok. Donc logiquement, si je regarde ce plan là. Là maintenant, il faut que j'aille ici là. Il y a un truc où je peux aller. D'ailleurs, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas eu de texte à lire. Alors, non pas que je m'en plaigne. Hein. Alors. Oui, faut la pince. Ah, par contre, j'aurais peut-être dû poser une grenade. Pas beaucoup de passes dans l'inventaire, mais. Alors, là, il y a du carburant. On va le laisser ici. Là, il y a ça, mais alors. Mais alors, voilà à quoi ça sert. Je sais pas. Peut-être pour pomper l'eau, non?
Ah, il y a du carburant ici en tout cas, c'est bon à savoir. Je vais pas le prendre tout de suite, mais si jamais je retourne à la safe room, faudrait que je pense à le prendre. Merde. Ouais, c'est stressant le passage dans l'eau. Hein. Attends, là je passe par où? Je saute là. Je ne peux pas. Mais il y a une caisse ici. Moi, je me serais pas fait piquer, moi ça me gratte. Sûrement. J'arrive pas à sauter sur la boîte. Mince. Ah mais attends, est-ce que je peux pas passer là tout simplement? Ah mais si. Alors ça c'est ça. Yes. Lumière? Lumière? Oh comme on voit rien. Non non mais s'il vient là, laissez tomber. Hein. Alors ça par contre... Ouais alors ça on l'avait vu la dernière fois mais j'avais pas réussi à passer. Et c'est pour ça que j'avais pas exploré plus sa zone. Là la boîte elle a pas l'air de bouger hein. Ah si elle bouge un peu mais... Je peux vraiment l'enlever ou pas? Oh faut que je la pousse. Madame vous me bloquez! Oh je suis tout pété avec une grenade. Je sens que c'est la mauvaise idée la grenade. La suite du jeu est là! Laisse-moi passer! Je suis même pas sûr qu'avec la grenade ça fasse péter le truc. J'ai envie d'essayer mais d'un côté je sens que ça c'est pas une bonne idée non. On essaye ou pas? Grenade dans l'eau, oui c'est vrai que... Bah quoi que ça marche quand même. Non mais ça bouge pas hein. Alors soit je m'y prends mal, soit c'est pas ça. Ah, j'ai beau pousser, tirer, mettre sur le côté. Fait tout péter. Attendez, vas-y, faut pas mourir bête, écoutez. Pierre, je recharge. Oh! Mais elle est revenue vers moi! Alors, ça n'a pas marché. Putain, je viens d'utiliser une grenade pour rien. Y'a pas de trou, tu peux pas venir ici. Après j'aurais peut-être pu mettre la grenade. Non. Non, mauvaise idée. Et sous l'eau là, y'a rien d'autre? Ah sous l'eau on voit rien. Mais sous l'eau, là regardez, je peux presque passer en vrai. Le mec il fait pas d'effort hein. Pas passer sous, bah... Et puis y'a pas rien là. Attendez, je regarde bien la salle, mais... Ça, je l'ai allumé... Pas l'air d'avoir d'autres trucs, hein, dans le passage, il est là-bas, hein. D'accord que c'est rien du tout. Juste réussir à me bloquer moi. Oh putain oui. Non, c'est bon. Remonte Gilbert. Allez pas faire levier. On peut essayer, on peut essayer. Genre elle s'est mis parfaitement quoi. Oula, qu'est-ce que je fais? Putain, je suis vraiment pas sûr que ça soit ça. Faut y faire. Non mais c'est pas ça. Voyez bien, c'est pas ça. Après
presque envie de balancer une autre grenade, mais non, non, ça pue. Comment je passe ? Il y a des bouts de bois. Là, il n'y a rien d'autre. Ou alors, c'est ça le truc. Genre, il faut vraiment pomper l'eau pour que je puisse passer, quoi. Genre, avec l'eau, je peux pas passer. Regardez, il y a ce câble là. Ah, mais peut-être qu'il marche maintenant le machin, non? Tout simplement. Tout simplement. Ok. Yes. J'ai perdu un peu de temps et j'ai gaspillé une grenade, mais c'est pas grave. Par contre, le monstre va pouvoir venir maintenant, non? Me bloque toujours. Ah non, ça va. Pousse-toi. Mais t'es en plein milieu. Mais pousse-toi. Voilà. Mais c'est terrifiant ici. C'est sûr qu'il y a le détonateur. Je suis accroupi là ou... Ah non. Quand le jeu il change, il fait pas semblant. On est de retour dans l'eau, quoi. Je vois rien. J'ai peur. C'est quoi cette zone? J'aime pas cette zone. Oh, un texte. Oh, il y a des yeux. Je devais voir ce que l'obscurité cachait, il le fallait. Noyé, Farber et les autres, ils n'ont pas les yeux qu'il faut. Il y a un monde ici-bas plein de séductions et de secrets, et mes yeux sont faits pour ça. Peu importe s'ils m'ont piégé ici. J'ai vu, ah, une vision d'un monde disparu, sanglante et terrible, belle et affreuse, divine et infernale. Tout autour de moi, des voix, le passé griffant, tournant, tourbillonnant. J'ignore ce qu'ils veulent, Il faut que ça s'arrête, je ne le vois plus. Ils me demandent de faire des choses impossibles. Je vous en prie, Dieu qui est aux cieux. Si vous existez, mettez fin à tout ça. Donnez-moi un moyen de mettre fin à tout ça. Je le vois à présent. Ah, je le vois. Je ne le vois plus. Du coup, ça fait penser à Astérix, Obélix, puis sur Cléopâtre. Ils ont piqué l'idée. Tourbillonnant. Tourbillonnant encore, et ils réclament du sang. Il me voit, il me voit plus. J'ai droit à être safe. Oh, regardez. Il me voit. Il me voit plus. Attends. Je suis sûr que... Comment on fait déjà? Merde, non, mais non. Ah, je sais plus. Il y a une touche pour les tourner. Je sais plus ce que c'est. Oh, ce bruit. Photo. Oh, je suis trop content d'avoir une save. Une porte cassée. Casser la porte. J'ai une sauvegarde. Ça c'est trop cool. Trop cool, mais je sais pas si c'est bon signe. Il y a une note là. Poussez-vous. Le rapport de Noyer. Notre lataniste fou a encore frappé. Noyer a déposé un rapport affirmant que les Romains utilisaient ces tunnels pour organiser des bacchanales sadiques, de grands festivals à base de combats cruels, de tortures et pire encore. De plus, il dit que tout cela se déroulait dans une arène au-dessus d'une grande fosse. Quiconque tombait dedans tombait dans des ténèbres hurlantes. Sans ses propres mots, quel poète. J'ai été dans ces tunnels. Ce sont des tunnels. Point final. Je recommande de mettre Noyer sous surveillance. Vous voyez, il a un peu trop bu la tasse. Mais qui c'est, Noyer? Ça va, vous? Je vois rien, attendez. Attendez, je vois rien. Je vais re-sauvegarder parce que je suis trop content d'avoir une save. Oui. Et si on me donne une save, ouais, c'est que la zone sent pas bon. Hein. Coucou.
C'est le détonateur, ça, c'est ça. Genre, j'ai ma carte qui s'est mise à jour, mais je ne peux pas consulter ma carte. Waouh. On est vraiment, du coup, dans... Bah, dans un truc romain, quoi. Mais les cailloux flottent? C'est un bug ou... C'est surnaturel? Ah, je sais pas, j'ai un doute. Couler un bronze? Attends, quoi? Alors, je pense que c'est surnaturel, non? La vallée des cailloux qui flottent. Oui, non, je pense que c'est voulu. Bonjour. Monsieur, vous pouvez pas chanter en français, s'il vous plaît? Franchement, rien. Oh, je vois rien. Ah, mais est-ce que ça serait pas Noyé qui a perdu la tête? En vrai, à tout le coup, c'est lui. Il y a une porte là-bas. J'entends des bruits de pas, ou c'est moi? Monsieur? Noyé? Attendez, on me donne des trucs. Peut-être vite avec tissu. Peut être jeté. Ouais, mais il manque pas de l'essence. Si on m'en donne, c'est que ça pue. Non. Je me suis chié dessus. Eh, hey, mais on a toujours pas le fusil à pompe. J'ai peur. C'est stylé, mais on dirait que ça bug. C'est bête. Putain, c'est fermé. On me donne plein de bouteilles. Est-ce que je peux l'allumer, ça? Ouais, non, il me faut de l'essence. Je peux pas l'allumer sans essence. Zut. Non, mais tout est fermé. C'était Jacques. Attendez. T'as la porte avec ça? Oh! Guita, Kava, Lapidem. Joli en vrai. Je sais pas comment j'ouvre la porte. Oh merde! Mais y'a vraiment un mec! Oh putain, mais je pensais que moi, genre, il était là, mais il était pas là en fait. Oh, mais y'a des balles! Oula! On va recharger. Du coup, on est d'accord pour dire que j'ai loupé le pompe, hein. Comment j'ouvre la porte? Monsieur, vous pouvez ouvrir la porte? Ah, il y a une porte ouverte, là. Je pense que c'est Noyé qui est devenu fou, c'est sûr. Chou. Il me voit ou pas? Je vois plus, moi. Ah bah si, il est là. Ah mais attends, mais what? Ils sont deux. Ils sont 15 000 en fait. En fait, je sais même pas si c'est des ennemis ou pas.
Oh, on me donne masse munitions, quoi. Je suis pas du tout sereine, là. Regardez, mon flingue, il est pratiquement plein. Qu'est-ce qui se passe? Grenade. Là, oui, ça, je prends. Mais, ouais, les portes, par contre... En fait, le mec, je pense qu'il... Je pense que le mec, il est pas vraiment là, en fait. C'est le monstre, ça ? Alors, lui, il parlait pour de vrai. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, mais attendez, il y a un truc pour péter une porte, là. Oh, mais on voit rien. Oh merde, mais j'ai tué un mec. J'ai le fusil à peupon. C'est quoi ça? Carburant. Balle de revolver. Oh là 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 là. Attendez, est-ce que je peux retourner en arrière? Et elle est sauvegardée, j'ai super envie là. Ah, je crois que je peux pas. Fuck. Fais chier. Moi, je comprends pas tout, hein. Je comprends pas tout ce qui se passe. Ouais, on va peut-être prendre le... Ah, j'ai que 2 balles pour le fusil à pompe, hein, mais... Charger une cartouche. C'est qu'on voit foutrement rien. Ouais, c'est bête parce que j'en avais des munitions de fusil, mais comment tu pouvais savoir qu'il fallait aller chercher? Ah, attends, j'avais trouvé un truc tout à l'heure pour défoncer les portes. Sauf que je sais pas où je l'ai laissé. On voit pas grand chose. En tout cas, j'entends plus le mec chanter. Ah, mais j'entends le monstre, non? C'est moi. Eh, mais il. J'avais pas trouvé une brique tout à l'heure, j'en ai fait quoi? Je sais plus. C'est le monstre, ça, ou c'est pas le monstre? On dirait que c'est un fantôme. Je sais pas s'il est là ou pas, c'est chiant. Pas laissé par là ma brique. Carburant, non mais je m'en fous. Et pourquoi on m'a donné du carburant ici? Ah, elle est là ma brique. Oh, comment je suis lente. On va y arriver. Elle est où la luminosité? La luminosité. C'est où? Affichage peut-être. Non. Graphisme. Où est la luminosité? Config gamma, c'est là. J'augmentais pas trop, mais un petit peu.
Ouais. Je sais pas si je vois vraiment mieux. C'est le détonateur. J'ai plus de place, quoi. Je pense que ma torche, on s'en fout un peu. Sac de poche. Ouais, j'entends le monstre. Je crois qu'il est pas loin. Attends, je peux passer genre ici? Allez, je fouille un peu la pièce quand même. Il y a un soin. Genre, on va nous vraiment nous demander de nous battre et tout, genre... boss game et tout. Oups. Mais... je sais pas ouvrir une porte à l'aide. Mais je vois rien du tout. Attendez, mais il y a un trou là avec de la lumière. Si ça mène à la sauvegarde, moi je veux bien. Ouais, je crois que ça mène à la sauvegarde, non? Oh, comme je suis lent. Quoique. Mais je suis dehors! Mais je vais me faire dégommer ici! Il y a une gourde! Oh! Un dernier code, Lambert! Oh yes! J'ai bien fait de venir ici! Ah, il y a le jouet. Le jouet, il en parlait à notre compagnie. Vas-y, lâche un soin, ça doit être important, je suppose. On va éviter de se prendre une balle, je vais peut-être pas trop traîner. Là. Y a rien d'autre. J'ai pas l'impression. Y a pas un autre trou où, jouer pour enfant de Lambert, oui, il en avait parlé dans une des notes. Par contre, je sais pas où il a sorti. Comment on sort? Regardez, on voit le monstre, mais j'arrive. Je pense qu'il est pas là, mais c'est perturbant. Regardez, on voit des ombres, genre péter des câbles. Oh là, par contre, je vois vraiment rien. Coup de mal à savoir où je suis censé aller. Tiens, je peux pas passer. Attends, je vais peut-être sauter là. Oh, mais si, vas-y, fais un effort. Non? Mais où est la sortie? Sorti là, je crois, non? Comment je monte là-dessus? Et je suis trop petit. On y arrive, on y arrive. Surtout pas de panique. C'est ce brouillard là qui me perturbe au plus haut point. Voilà, regardez ce beau escalier. Voilà. Oh, une save par pitié. Je veux sauvegarder. Oh là, on me redonne du soin. Ouais, mais j'ai plus de place. En vrai, le briquet, j'en ai peut-être plus trop besoin, non? Eh, je peux pas le poser. Et comment j'ai fait pour le poser tout à l'heure? Je peux pas le poser là.
En fait, c'est bête parce que tout ça, je peux pas y... Attends. Ah non, mais j'ai pas posé la grenade. Ouais, bah non. Je crois que la sauvegarde est pas loin. J'ai peur, j'ai un peu peur. J'ai un peu les boules. J'entends le monstre. Sauvegarde. Oh oui. Comment je suis contente de retrouver ces petits gnous là. Bon bah il m'est rien arrivé. Genre je suis étonné. Ça va être pour après. Oh mon dieu, on va pouvoir sortir. Comment on voit rien du tout? J'ai le détonateur, la dynamite. J'arrive pas à passer à cause de la boîte. Mais... Non mais c'est un scandale. Pousse-toi. Par contre, ça sent le voilà le fight contre le monstre. Hein. Vu les 50 millions de trucs qu'on m'a donné. Je vois rien. Pourquoi c'est aussi sombre? Ah bah oui, il n'y a plus la lumière du générateur. On va éviter de courir. Des bisous Mathilde, bonne soirée. Oh mon dieu, le salut est à notre portée. Salut. Oh, je vais courir un peu. Mais non, t'excites pas, je sauvegarde juste. Regarde, hop. Bon, ouais, je vais garder tout ce que j'ai... Ouais. Ah bah non, faut que je prenne la dynamite. Attends. Je peux plus rien poser. Attendez. Ah bah mais j'ai un casier à aller ouvrir en plus. Attendez. Ça, en fait, ça, je pense que je suis obligé d'y poser dans le coffre. Je peux pas y poser par terre. Je pense que c'est ça le délire. Mais si je fais ça et ça, voilà. Ça, ça me fait au moins une petite place de plus. Du coup, on va juste aller voir les casiers vite fait. C'était où ? Je crois que j'aurais loupé qu'un seul casier, non? Si là on arrive à la fin du jeu. Parce que là c'est le code de Lambert 0172. Et je crois qu'il m'en manque qu'un seul. Mais je vais pas le chercher, la flemme. Hein. En plus il y a des missions 01 72. Allez. Et oui, il y a des munitions. Qu'est-ce qu'il dit Lambert? 12 July 1916. Encore debout dans la chapelle. In the chapel, trying to pray, but my mind is ah, il pense. Ah non, j'ai cru qu'il pensait au lapin, mais. Ah, je pense que c'est bientôt la fin, ouais. And yet I don't feel tired. Instead, I feel this. Ah, je crois que Lambert il est devenu un peu fou aussi. Hein. A bloody purpose higher than any of man's petty wars. Elles sont bulbeuses. Il a les mains bulbeuses. Everyone's talking about hearing scratching at the walls. Trombley even claims to have heard howls echoing through the barracks. I feel strange myself. Can barely find the words to write. My hands feel so odd. Gnarled. Bulbous. Like they don't belong to me. I hesitate to write this, but a thought keeps echoing in my head. Ok, ouais, donc il a pété son câble. Hein. Je vous laisse terminer de lire avec lui, mais. Mais vis doucement. Je vais en profiter pour voir. It calls. 15th July 1916. Madness in the barracks this morning. Ah oui, mais il est super loin. Renard's dead. Ensemble. They say murder, but will not show us the body. A dream rises in my mind. Come.
monster's cruel eyes upon me. Si le monstre était Lambert, ah bah je pense hein. Je pense que là, la personne qu'on a tuée, c'était... c'était machin, noyé. Et Lambert, ouais, y a moyen que ça soit peut-être le monstre. Ah bah non, ils disent qu'il y avait déjà un monstre avant. Ah quoi. J'ai du sang sur les mains, du sang sur les mains, du sang sur les mains. Ouais, non, ouais, je pense que c'est ça en fait, c'est lui le monstre. Je pense que vous avez raison. Ouh. Et ok. Et ben c'est le plop twist, je pense. Et ouais, le seul truc qu'on a pas ouvert, c'est Fortin. Mais il avait que du carburant, donc. En fait. Ah non, j'ai su. Ah non, bah non. C'est quoi ça? Donc c'est déjà pas mal. Bon, et ben écoutez, il est l'heure. It's time. On va s'équiper. Bah écoutez, je peux prendre un petit soin parce que j'en ai pas du tout. Peut-être en prendre un quand même. J'ai deux grenades. Le lapin. Et je peux peut-être poser les outils en vrai. Ah ouais, attendez. Je peux peut-être en poser au moins un. Comme ça, je prends un soin en plus. J'espère que j'ai pas besoin des outils pour la fin. Attends, on va poser genre... ça. Et... ça. Comme ça, je peux poser l'outil. Et... ouais, bah le reste, de toute façon, je suis obligé de garder. On va prendre une grenade de plus. Et là, je reprends ça. Et ça. Je pense qu'on est pas mal. Ah non, j'ai pris un soin de plus au lieu d'une grenade. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Ah non, mais j'ai pas de grenade de plus. Bon, bah zut. Ah bah c'est bien comme ça. C'est bien, c'est bon. Hop, hip. Et ben feu. Attendez, je recharge mon arme. Pas folle la guêpe. Tac. C'est parti. J'ai peur. J'ai un peu peur. Limite. Comment? Comment? Ah. Do. Ok. Oh, j'ai posé le briquet. J'aurais besoin du briquet, non? Oh, zut. Ah bah non, il y a un détonateur. J'en ai pas besoin. Bah c'est parti. Ah. Ouais, là le monstre va venir direct, donc je vais être obligé de le tuer. Progression sauvegardée, j'ai une sauvegarde. Mon flingue, sort ton flingue. Oh, y'a un intrus. Allez, c'est parti. Ça sent le boss fight. Ça charge. Super, donc j'ouvre la sortie pour tomber dans encore plus profondément quoi. C'est quoi ça? Carburant. Pourquoi on me donne du carburant? Ok, il est vénère. J'ai un peu les boules. What? The fuck? Ah oui, d'accord. Oulala, je suis censé aller là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, c'est stylé en vrai. Oh, c'est stylé. Bon, on voit pas grand chose, mais c'est stylé.
Ouais, j'entends le monstre. Oh putain, il est là. Il arrive ou pas? Ouais, je pense que le boss fight il est là. C'est pour ça que c'est aussi grand, c'est pour que je puisse courir. On va attendre qu'il se rapproche. Allez Lambert! Allez viens là Lambert! Merde! J'ai plus de balles? Ah super! Oh putain, 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 oh putain! Ah mais les grenades, c'est pas une bonne idée en fait! Il est où? Comment on fait? Comment on fait? Il va jamais me lâcher là! Attends, j'avais pas plus de balles dans mon... Ah non, oui, j'en ai plus, ok. Mais là, du coup, j'ai plus d'armes. Y'a pas des munitions quelque part? Ou alors je suis pas censé le tuer. Mais c'est bizarre, hein, tout ce qu'on me donne. Y a-t-il des munitions? Enfin, y'a un truc vers lui qui brille, je sais pas ce que c'est, mais. Je peux tomber bêtement. Putain mais j'ai pas assez de munitions. Mais pourquoi on me donne du carburant? Ah c'est pour faire les cocktails Molotov je pense, non? J'ai pas de bouteille. Pas me donner des munitions plutôt. Attends, j'ai pas de bouteille, j'ai pas de chiffon. Ah mais attendez, il y a des trucs à faire. Ah je peux en monter, ah d'accord. Mais là je peux pas remonter. Bonjour. Là j'ai une bouteille. Du chiffon quelque part. Boulie l'ouret. Oh une grenade. Mais le grenade problème c'est que il bouge vachement en fait. Ça met trop de temps à se déclencher le grenade en fait. Ça met tellement de temps qu'il est déjà super loin lui. Il est juste derrière moi, il est juste derrière moi, il est juste derrière moi. Quelque chose qui m'échappe, je crois. On a sur le pont en bois, ah peut-être. Merde, j'en ai plus. Ah mais dans ce cas, si j'ai juste besoin de faire ça, pourquoi on me donne plein de munitions? Putain, mais vas-y, moi je voulais regarder ce qu'il y avait là. C'est relou. Ah, on est d'accord qu'il n'y a rien d'autre. Ah, il y a un tonneau explosif là, mais j'ai plus de balles. En plus, il arrive. Ah là là. Un peu embêtant comme situation, monsieur.
rien là. Ah oui. Yes. Bon, j'ai une balle hein, mais. Non mais recharge. Non mais bon, oui, bah, du coup donne-toi. Et où? Ah, sur le tonneau explosif, c'est pas bête, c'est pas bête. C'est pas bête. Ça en fait une pierre de coups. Ouais, juste que j'éloigne un peu le tonneau. Oh putain, il est toujours pas mort. Oh, et puis moi je suis morte. Ah non. Non, non, je suis pas encore mort. Mais putain, mais quand est-ce qu'il meurt? Mais en plus, j'avais masse munitions, quoi. C'est bon, on va pouvoir. Tac. Tac. J'ai pas le briquet avec moi. Putain, ouais, ça sent le reset en vrai. Mais je comprends pas pourquoi on remonte. Y'a qu'un pont qu'on peut remonter. Ouais, bon, bah, je vais reset, hein. Regarde juste si j'ai pas loupé quelque chose. Bon bah, Gérolimo! Oh, fais chier quoi. Je t'ai dit coucou, mais oui, ça fait longtemps en plus. Merci beaucoup, c'est super gentil. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'était la lumière rouge de Amnesia 1, non? Tu veux la solution pour tuer la bite? Attends, je vais essayer le coup du pont. Si ça marche pas. Parce que voilà, on nous montre un peu quand même ça. Le truc, c'est d'arriver à le faire au bon moment, c'est pas facile aussi. Bon, genre celui-là, il faudrait les péter. Il est où? Il est où? Je sais pas où il est. Ah, il est là. Putain, ça l'a touché au moins? Les grenades, elles mettent 1000 ans à réagir, quoi. Il est où, là? Oh, il est tombé? Il est où? Oh, fallait juste faire ça, en fait. J'avais pas besoin de munitions ni rien. Je vais peut-être te barrer, hein. C'est pas un beau bizarre. Yes. Oh là là, fallait juste faire ça quoi. Mais pourquoi tu me donnes 5 millions de munitions? Ça sert à rien du tout. J'ai un peu de tristesse. Oui. Comment je sors? Fuck. Ah pardon. J'ai juste pris les rochers. On va essayer l'autre fin après, hein, si je peux. Merde, c'est cool. Mais... En plus, vous m'avez donné la solution. Enfin, vous avez compris assez vite ce qu'il fallait faire avec les ponts et les grenades. Et c'est surtout que je me disais, bah, on a plein de munitions. C'est que c'est un vrai boss de fin, quoi. Mais en fait, les munitions servent à rien, du coup. Je suis triste. Bonjour, il y a tous mes compagnons. Ah merde! Du coup, j'ai réussi à sortir, mais je me retrouve dans les mains des Allemands. Bah, c'est pas vraiment une bonne fin, du coup.
Ah, est-ce que le jeu va me laisser recharger? Je sais pas. Oh, j'ai une idée pour la deuxième fin. Alors, c'est peut-être super bête, mais... Vu que j'ai récupéré le doudou, je peux pas lancer le doudou au monstre. Si c'est ça, comment je rigole. Vas-y, on va passer. Il est sorti vivant, mais pour combien de temps? Oui, c'est ça. Oh, statistiques de jeu. Temps de jeu. 1h29. Non, ça m'étonnerait. Comment ça, 1h29? Laps de temps le plus long entre deux sauvegardes, 20 minutes. Ouais, il y a eu un bug hein, sur le temps, j'ai pas compris. Sauvegarde effectuée, 105! Mais non, mais j'ai fumé le jeu, j'ai pas sauvegardé 105 fois. Nombre de morts, 15. Ratué, 12. Balles tirées, 34. Cartouche de fusil à pompe utilisée, 7. Grenade lancée, 16. J'en ai lancé autant. Grenade à gaz lancée, ouais, j'aimais pas ça. Bombe à pétrole lancée, 1. Torche de détresse lancée, 1. Objet de soin utilisé, 20. Remplissage du générateur, 42. Évanouissement, 12. Comment ça, évanouissement? Piège déclenché, 16. Oups. Corps brûlé, 1. Feu initié, 2. Porte détruite, 14. Mais tant que ça, ça me semble énorme. Nombre de fois repéré par le pisteur, 23. Repéré par le monstre. Objet fabriqué, 19. Compteur de tir de balles sur le pisteur, 24. Et rat effrayé par une torche, 45. Mais ça me semble énorme. Sortir le fer pour retourner dans l'enfer, c'est ça. Félicitations, vous avez terminé la mise à The Munker pour la première fois. N'oubliez pas que chaque partie de The Munker est unique. Les objets, pièges et codes sont tous aléatoires. Ah. Alors, est-ce que... ouais, ça m'a gardé ma save. Je pense que oui. Enfin, j'espère que oui. Je vais essayer de lancer le doudou. On veut voir l'autre fin. Yes. J'ai le doudou. Écoutez, j'essaye. Ça sent un peu l'idée de merde, mais... Je tente. Oh putain, chargement. Après, si je peux transformer le doudou en... Parce qu'en plus, regardez, je peux l'utiliser. Genre, il y a vraiment un truc à faire, quoi. Attends, à chaque fois, je suis bloqué par cette caisse. Attends, mais je vais tenter le coup du doudou néant. Je vais tenter. D'ailleurs, tu peux attribuer des objets... Oui, j'ai jamais fait. C'est pas grave. What? Pourquoi le pont est relevé cette fois? T'es pas relevé tout à l'heure? Mais tout est relevé. You. Est-ce que... Ah, je sais même pas si on pourra vraiment le lancer, on va voir. En tout cas, je peux le rapprocher de mon visage comme ça. Je crois qu'il en a rien à secouer. Oh si, il le regarde. Il a fait un bisou, doudou. Bah, je crois. Je suis content d'avoir ton doudou. Lambert. Lambert. Alors, il m'a piqué ma peluche. Mais du coup, mais encore. Pas le grand tour cette fois. Hein. Ah, mais non, mais vas-y, il me lâche. Qu'est-ce qu'il y avait? Il me lâche pas là. Il
J'ai rien le temps de faire. Déjà, on peut lui balancer son doudou pour gagner un petit peu de temps. Et aller déplacer les caisses. Ah mais le doudou, au moins, ça l'occupe 2 secondes, c'est ça qui est bien. Faudrait que je la tire un peu plus loin quand même. Genre limite par là, là. Il est où là? Ah, normalement il va s'occuper du doudou et moi je fais le tour. En fait, il m'entend déplacer les caisses. Du coup, ça l'attire. Oh, mais il a pété la caisse sur laquelle je pensais monter. La petite caisse, là. Ah, super, je fais comment, du coup? On a une autre? Ah oui, y'en a une autre. Non, c'est pas là. Non, c'est pas ce qui s'est passé, ça. Ah, va falloir pousser ce tonneau, mais ça va être encore plus chiant, quoi. Oh là. Peut-être pour essayer de pousser un peu les caisses. Non, mais j'ai pas le temps, il est déjà là. Putain, grave de merde. Ah oui, en plus, il me chope, quoi. Parce que là, celui-là, je peux le remonter, mais dans ce sens-là, je peux le remonter dans ce sens-là aussi. Mais il est déjà là, ça l'a occupé 2 secondes. Putain. Mais c'est infaisable, cette fin, quoi. Je peux récupérer celle-là, une fois que je suis dessus, hein. Genre il peut me récupérer alors que je suis sur la caisse. N'importe quoi. Voilà, il va casser toutes mes caisses. Allez, va chier. Ça m'a saoulé. J'ai fait un fuck. Je suis énervé. Allez, c'est bon. Hop. C'est bon. Salut. Donc c'est la chaîne de Baby Zone. Histoire de rendre à César quand même ce qui est à César. Et... Bref, alors. Donc là, il essaie de déplacer les caisses aussi, là. Oh, regardez, je déplace les caisses. Allez, Nao. Regardez, sans les mains. Oh, je veux voir comment il fait. Comment je fais. Curieuse de voir. Ah, genre, il l'attire avec le bruit de la lumière. Il est peut-être plus doué que moi, je sais pas. Possible. Ouais, mais vraiment, c'est ça, t'as vraiment 2 secondes pour pousser la caisse. J'ai le hockey. Pardon. Pour pousser la caisse, quoi. Ah, mais c'est là qu'il fallait aller! Mais en fait, il faut aller au même endroit. Mais moi, j'ai essayé de monter plus haut. Ouais, je sais. Mais en fait, c'est la même chose, du coup. Ah, c'est la même chose, sauf que le monstre, il va sortir. Et il va venir dégommer les Allemands. Eh oui.
On veut dégommer, moi. Faut voir. Non, les Allemands. À choisir les Allemands. Qui voulait faire la part, et pas que je te le dise. Ah non, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Bah du coup, ça aurait été moins dur. En fait, j'aurais pu y arriver, quoi. C'est ça qui me saoule. Non, bah, c'est pas grave. Ah, genre, le monstre s'est barré, du coup. Ah, mais j'ai libéré le monstre. Ah, mais c'est tout. Oh, y'a Willong! C'est l'indicateur du jeu là? C'est... Attendez, je vais balancer. Attends, Willong, arrête! Et coucou, Willong! Mince! Mais c'est juste ça la diff! Mais c'est la tristesse! Attendez, je relance le jeu. On sera pas mort, mais. Au final, ça change rien quoi! C'est un peu triste. Ah, je suis un peu déçu de la fin en vrai quand même. Ouais. Après, en soi, la fin est pas nulle, mais... La fin est pas nulle. Bon, la deuxième fin... Bon, il y a une différence, genre... Tu vois deux secondes le monstre sur la deuxième fin, alors que la première, non. Bon, ça, c'est pas génial. On va pas se mentir. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je pensais aussi que le monstre allait sortir, et du coup, il allait dégommer les Allemands, ou je sais pas. Ça aurait été un peu plus logique, mais là... Enfin, on suppose qu'il va leur tomber dessus, mais... Ah, c'est dommage. C'est dommage. Après, la fin en soi, donc la première, elle est pas nulle, mais bah, on reste un peu sur notre fin, quand même. C'est un peu con. Enfin... C'est pas nul, mais... C'est un peu simple, après tout ça et tout. Bon, après, on apprend le plot twist. Hein. Le monstre, c'est Lambert. J'aime bien, quand même, que le fait... que le monstre ait réagi avec la peluche. C'est bête parce qu'au moment où j'ai lancé la peluche, je sais pas si vous avez fait gaffe, quand j'ai lancé la première fois, il y avait une caisse devant et du coup on voyait pas très bien ce qui s'est passé. Mais il a eu une réaction et je crois qu'il l'a ramassé, etc. Donc en vrai c'est cool. Donc la peluche de sa gamine, je crois. Ouais. Sauf j'aurais bien voulu que la red light soit une vraie fin. Ah c'est pas une... Ouais c'est pas une vraie fin, c'est juste une mort. D'accord. Quand c'est libéré ou tuer le monstre, ouais. Ouais, mais ils auraient dû mettre un peu plus de changement quand même. Bonne nuit Alain, des gros bisous. Ils auraient dû mettre un peu plus de changement entre les deux fins. Mais en vrai, le jeu est vraiment cool. Je me suis beaucoup amusé dessus. Et... Ah, gogo. Et je le dis avec une petite surprise quand même, parce que vraiment... Bah rappelez-vous, hein, j'ai fait la démo, je me suis dit waouh, l'ambiance elle est cool, machin et tout, et l'ambiance est super cool. Mais le gameplay, je me suis dit non, ça a l'air ultra casse-pied, va falloir faire des allers-retours dans tous les sens, ça te force à surveiller le générateur, il y avait pas mal de bâtons dans les roues et tout. Et en fait, passer vraiment la découverte de la démo, une fois que tu sais voilà, que ça va être comme ça, et puis une fois que tu prends un peu plus le jeu en main, parce que regardez le générateur... On pouvait le pré-remplir quand même beaucoup plus que dans la démo. Et ben en vrai, ben le jeu est vraiment cool. Le jeu est bien. Vraiment, il est vraiment cool. Je pense qu'on peut le terminer beaucoup plus vite. Il est un peu court peut-être. Après, bon, avec un gameplay comme ça, le faire plus long, ça aurait peut-être pas été une bonne idée non plus. Mais je me suis vraiment bien amusé dessus. Donc je suis vraiment contente.